kilomètre 30, descente du plateau sur la Zac des Étangs de Samit. En fait, c'est pile entre Martigues et Samit, hein, par un single bien sympathique. Vous avez déjà ces images-là, mais pas avec la GoPro. Là, ça monte plutôt quand même, hein. Et là, il y a une descente d'enfer qui arrive. J'ai jamais essayé. Un arbre. C'est passé. Attraper une espèce de piste qui n'est pas vraiment roulante, hein. Tout fracassé. Petite remontée. Il y en aura encore une autre un peu plus grande tout à l'heure. L'intérêt, c'est que ça file, il y a des endroits où on va à 30. 28. Tranquille, je n'ai jamais croisé personne. C'est là que ça remonte un peu. On est quasiment arrivé à la Zac des Étangs. En fait, vous regardez le tracé, j'ai fait un grand 8 avec les deux boucles sur les deux collines. Voilà, ça c'est mortel. Je passe par là pour ne pas recouper la trace que j'ai faite en montant. Ici, kilomètre 32. Wow. Comment de la merde, ce caillou là. Et on va déboucher chez mon bouclard préféré. Ouh, putain, ça passe pas là. Fou. Autant en magasin que vente par correspondance. Sur eBay par exemple.
La boutique, c'est Alpine Bikers sur eBay. Et absolument tout ce que vous voulez. Les pièces introuvables, elles sont là. Juste là à gauche. Voilà la ZAC des étangs.